Radio, l'IFE, 11 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde, tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes, Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade bay lide de fwa fè de bagay. Yon proje. Lwa ki en yo di ke, si moun nan meyèr kote pou li viv, se nan famil. Yon aktivite. Ou ale ver l'inklusyon sosyal, se pose kèsyon par rapport ou barrièr. Paske, tout inisiativ sosyal fè eko sou Alter Radio. Bonjour, bonsoir. Tout le monde qui a écouté Alter Radio sur 106.1 FM, sur www.alterradio.org, avec diverses autres plateformes internet. Magazine éco-social, bien content de rentrer la caillou pour offrir un autre numéro émission ça. Émission éco-social, c'est un espace qui a fait écho, qui a gagné diverses qualités d'informations, qui a pris compte sur tout projet, toute activité sociale, économique, à culturelle et la trier. Autorité yo ta dwe pran disposition pou ta gen yon sistèm sécurité sociale nan zafè la santé nan peyi d'Haïti. Se revendikasyon réseau la santé ki potenon développement activité la santé nan peyi d'Haïti, moun plis konnen sou nan DASH. Réseau DASH lan gen 20 sant la santé sou teritwa Haïti ya. Le vini ak proposition sa nan okasyon 12 décembre lan ki se jounen mondial pou tout moun jwenn la swen ya ay tout patou sou la tè. Daye, Konstitisyon Haïti a exige l'État pren bon jan disposition pou populasyon an la ronde badè, timoun, fam, kou gason, jwen bon jan servis la santé tout patou. Malerezman, si yon gwo madoule pou tout moun rive jwen servis la santé konsekant, chak moun set oblige paye an pil l'ajan pou rive jwen servis la santé. Le nou di sekirite sosyal nan zafè la santé, ki sa nou dwe kompran? Eleman repons ak Dr. Ronald Laroche, ki se direkter ekzekitif Réseau Développement Activité la Santé nan peyi d'Haïti, DASH. Bayre lo sécurité sociale la, se kan kon bagay ki rele ou un kès de solidarité. Kote chak moun ap met 400 goud la den. Se ba 400 goud la kap bo la sonyaj la. Men chak moun ap met 400 goud nou kès, ou bien 500 goud ou bien 600 goud, sou la nou gran l'hôpital kan kou kanapé ve. Ou bien kou vle anou l'hôpital kan kou pa DASH yo, ou ap dou konbyen pou ta kotize. Mais 400 gouttes, c'est la base pour moun ta cotiser. Donc, ou prenez 400 gouttes sa yo, ou mettez nou caisse commune, que il est une caisse de solidarité, et là, yon moun nan communauté qui te cotise à malade, y a pleuvé comme ça, y a traité, y a payé la soya la pour. Donc, naturellement, pour ça capable fait, c'est pour capable choisir qui koto vle adjoindre la soignage. Je nous connais en Haïti, y a trois institutions qui prennent comme moun dans l'État et qui pas baye la soignage. Ou bien gade l'autre monde que yon pren comme la nan men yon puis yon pas jouen nan yon. Donc, idée vision que nous gagnons, c'est pour nous permettre chaque haïtien choisir dans qui organisation nous dit que des assurances publiques, que des assurances privées, que des mutuelles de santé, qui côté qui pi près la caille ou vle baïti comme ça, pour ou même maman ou petite ou madame ou mari ou capable de jouer un soignage gratis sur les 10 départements. Moi même capable d'où ouais au monde qui gagne au 4 parce que d'âge au programme côté la contribuer collaborer avec un pile monde et dans programme moi cité a toute bagarre gratuite pour journalistes
tout bagay gratis. Bakon ki koto wale sou pa perdu, men tout bagay gratis. Parce que nous donnons les consultations sur Al Nandash, ou ap jwenn docteur ka presevwa gratis, ou ap jwenn médicament à 150 goud, quel que soit médicament, ou ap jwenn laboratoire à 150 goud, quel que soit examen laboratoire. Sous besoin entrer l'hôpital, journaliste ap bay 500 goud, même s'il fait un an coucher l'hôpital, c'est sous compte Dash. Sou wale ou faire opération bay 1000 goud et c'est Dash tout qui paye opération pour vous. Donc pour moi même ceci est important et nom c'est docteur Laroche. Donc si jamais ou moun ta gen des difficultés côté yo pas comprendre programme non ou bien yo pas recevoir ça comme dire là, yo capable toujours contacter directeur média pour faire relève pour nous capable organiser nous. Moi-même j'ai une grande fierté dans Dash que système nan marché. Parce que moi j'ai 40 000 moun qui cotisé chaque mois dans Dash. Yo pas forcé yo ba l'île. Si moun yo pas satisfait de service mais yo pas la bay comme là. Donc le fait que chaque moun chaque mois vinn bay 400 ou 500 goud et yo continue bay li mois après mois, c'est que immédiatement yo wè côté avantage yo. M'ba dit bon Dieu m'ba fait, m'ba dit que Dash ou bien tout système sécuritaire social yo pas fait, mais au moins nous bay une base qui permet nous gagner 20 hôpitaux qui marchent normalement et qui baillent la sonya à moun qui affilié à système que yori li Dash la. Initiative que m'en fait a, li vini du fait que l'homme te tourne en Haïti parce que nous fait des études internationales dans des grandes universités à l'étranger. L'homme tourne en Haïti, m'en te wè que peuple haïtien pas capable continuer comme ça pour ce ONG qui a fait assistana, qui a vini faire tigre à droite, tigre à gauche. Ou bien l'État haïtien qui a bataille. Mais nous, les gens, l'hôpital général, là, nous, les gens, l'hôpital public, ça n'a pas marché. Donc, comme moi-même, ces études, ça a été fait à l'étranger, moi, tourner à Haïti, moi, dit, on monte un système de sécurité sociale. Nous commençons par faire pour Dash. Côté, moi, dit, que Dash, nous avons gagné 20 structures de soins, dont 9 l'hôpital. Nous, tout, nous, gros l'hôpital Dash, c'est pas l'État de Syncope, c'est pas non plus l'international qui fait un cadeau à rien. C'est le monde qui satisfait, qui accepte de payer cotisation chaque mois, qui fait que tout l'hôpital ça au marché comme si on était à l'étranger. Donc moi-même, moi j'ai une démarche intellectuelle, côté que moi dis que on essaye de construire pays noir. On voit qui ça que nous capables de faire pour Haïti rentrer dans la sécurité sociale comme dans tout l'autre pays. Et bon Dieu fait que bagaille a marché plus ou moins. Je suis satisfait de l'expérience que je fais dans Dash là. Et aujourd'hui, je dois camper devant le peuple haïtien et devant les médias pour dire que nous sommes capables de jouer nos routes pour nous capables dans les 10 départements, faire tout pour nous jouer nos 4 assurances. Que y a le point 4 assurances en côté ouvré, c'est l'État qui a contrôlé ça pour ne pas bailler au menti la donne. Et avec 4 assurances, ça, il y a besoin de l'assurance. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, yon label de production audiovisuelle, c'est tout médiatique, yon ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif. Communication, média et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale faite dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@medialternatif.org. Site internet www.medialternatif.org. Groupe Média Alternatif. Parce que la communication, est un droit. Pour essayer de faire face carré à problème la santé yo, réseau Dash lan vini ak yon plan. Qui sa kan dan plan la santé ça? Koute réponse docteur Ronald Laroche qui se directeur exécutif réseau développement activité la santé nan pays d'Haïti, Dash. Il est impératif que nous abordions ici un enjeu vital qui concerne tous les citoyens d'Haïti, celui de l'accès universel à la santé. En cette ère où la santé est en effet devenue une préoccupation nationale majeure pour nos 11 millions de confrères et de consoeurs, il est temps pour les autorités haïtiennes et leurs partenaires internationaux d'initier un débat sérieux et de prendre des mesures concrètes pour doter le pays d'un système national de sécurité sociale en santé.
La couverture universelle en santé est en effet pas un luxe, mais un droit fondamental que chaque individu devrait pouvoir exercer. En Haïti, plus de 60% de nos concitoyens sont actuellement privés de l'accès absolu aux soins de santé de base et les 40% restants n'en ont accès que partiellement ou à des soins de piètre qualité ou encore à des coûts insupportables pour eux et leurs familles. Une situation qui ne peut perdurer. Or, il est de notre devoir en tant qu'Haïtien de garantir que chaque Haïtien puisse bénéficier de la santé nécessaire sans compromettre sa situation financière. Face aux ONG qui ne sauraient postuler de l'assistanat comme stratégie par rapport à l'effort national requis dans le secteur de la santé, et face aussi au dysfonctionnement non moins flagrant des institutions et des structures sanitaires publiques qui, malgré le dévouement, la compétence et le nombre de ses cadres, voient leurs efforts réduits à quasiment à néant à cause de ces problèmes structurels et infrastructurels liés à leur mode de fonctionnement. Et face aussi au secteur médical lucratif, hors de portée de la majorité des Haïtiens, et confiné dans des agglomérations, il est important d'initier ce débat, c'est-à-dire la couverture universelle en santé, et qui devient un impératif moral, mais aussi un impératif politique, économique et social. La couverture universelle en santé n'est en effet pas un simple objectif, mais une responsabilité commune que nous devons assumer conjointement. En prenant les mesures maintenant, nous pouvons en effet façonner un avenir où la santé n'est pas un privilège, mais un droit fondamental pour chaque citoyen haïtien. Quel impact la couverture universelle en santé peut avoir pour la population haïtienne? La couverture universelle en santé offre un impact positif considérable tant sur le plan médical et social que sur le développement économique d'un pays. Sur le plan médical, l'objectif de la CUS est de faire en sorte et de mettre en place un système de sécurité sociale en santé à travers laquelle chaque Haïtien, quel que soit son âge, son sexe, son niveau socio-économique, son éducation, son lieu de naissance dans les 10 départements ou son lieu de résidence, et quel que soit son état de santé, soit doté d'une carte de sécurité sociale en santé à travers laquelle il n'aura plus jamais à faire face à la précarité et à des obstacles financiers pour accéder aux soins de santé. C'est ce qu'on appelle la couverture universelle en santé. La couverture universelle en santé en Haïti visera en effet à mettre en place des schémas contributifs et des schémas non contributifs, comme cela se fait dans tous les pays du monde, afin que l'Haïtien n'ait plus jamais à payer au moment de recevoir les soins de santé, tant en ambulatoire, c'est-à-dire dans les cliniques, qu'à l'hôpital. Que ce soit pour les consultations, que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour les examens de laboratoire, que ce soit pour les soins d'urgence ou de maternité, et autant pour les soins de néonatologie, c'est-à-dire que quand un enfant vient de naître, ou des soins de fin de vie, quand c'est une personne âgée qui se meurt. Le peuple haïtien n'a pas à payer pour des soins de santé comme cela. L'accès gratuit à la santé à travers la CUS fera aussi à ce que la prévention soit plus facile. Parce que si le peuple peut accéder à des solutions de santé pour la promotion et la prévention, la santé sera plus facilement atteignable. Et de même aussi en cas d'épidémie ou en cas de catastrophe naturelle comme du tremblement de terre, si la sécurité sociale en santé permet à l'Haïtien d'avoir accès à une carte de sécurité sociale, tout ceci pourrait être adressé de manière beaucoup plus stratégique
à travers les 10 départements en Haïti. Sur le plan social, avoir accès à la couverture universelle en santé contribue aussi à réduire les inégalités en offrant des soins de santé à tous, indépendamment de leur statut socio-économique. Cela renforcera la cohésion sociale et favorisera une communauté en meilleure santé, plus éduquée et plus productive. En favorisant l'accès équitable aux soins de santé, la couverture universelle en santé créera en effet un socle solide pour la croissance et le bien-être de la population. Des citoyens en bonne santé sont plus productifs et à même de remettre à leur famille un gain quotidien, ce qui contribuera à renforcer la cohésion sociale en Haïti. Enfin, du point de vue économique, investir dans la santé de la population génère des retombées positives significatives. Les valeurs financières récoltées à travers la couverture universelle en santé sera ainsi le facteur principal pour mettre en place des plateaux techniques dans tous les hôpitaux en Haïti, que ce soit les hôpitaux publics, que ce soit les hôpitaux privés. La couverture universelle en santé sera aussi parallèlement le vecteur qui procédera au relèvement socio-économique de tous les prestataires de soins, depuis les médecins aux infirmières, aux techniciens de laboratoire et à tous les administratifs œuvrant dans le système de santé. Sans la couverture universelle en santé, il n'y aura pas assez suffisamment de fonds pour arriver à ces objectifs. Quelle médecine pourra-t-on espérer obtenir avec la CUS? Eh bien, ce sera une médecine de qualité. Le docteur Laroche s'y engage. Une médecine de qualité où le système de santé sera doté d'infrastructures fortes, pérennes, résilientes et centrées sur les personnes. Quel est le coût de la couverture universelle en santé? La couverture universelle en santé ne peut exister que si son coût est à la portée des individus, de la communauté et des institutions haïtiennes. N'oubliez pas que pour la couverture universelle en santé, nous parlons de sécurité sociale en santé, c'est-à-dire qu'il faut cotiser une valeur minimale pour avoir la carte d'assurance, et quand on aura cotisé avec cette carte d'assurance, les soins de santé seront gratuits pour le cotisant. Selon l'expérience réussie du DASH, nous pouvons dire qu'avec un minimum de 400 gouttes par mois, l'Haïtien peut avoir à une couverture totale de soins de santé en Haïti. Et si on utilise des structures publiques de soins, eh bien ces 400 gouttes peuvent être encore diminuées. Il est facile de vérifier que si vous avez 11 millions d'Haïtiens qui contribuent, ou pour qui on contribue, pour 400 gouttes ou 500 gouttes par mois, le volume financier que l'on peut rassembler pour donner des soins à la population. Donc ce ne sera pas de l'assistance à l'international, ce n'est pas l'État qui va donner, mais ce sera la couverture universelle à travers la sécurité sociale, comme cela se fait au Canada, en Belgique, en France, en Dominicanie, notre voisin, et même aux États-Unis avec Obamacare. L'expérience du DASH prouve aussi que non seulement nous sommes capables de donner la santé pour le montant que nous avons avancé, mais que 99% des gens qui viennent au DASH reçoivent les soins qu'il faut à travers cette cotisation. Et actuellement, nous gérons près de 20 structures de soins, dont 9 hôpitaux, dont celui que vous venez de visiter, qui est actuellement à votre disposition, pour voir quel est le niveau de soins que si Haïti s'organise, on peut apporter à la population. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres pour l'aide, nous sommes pauvres, mais nous sommes belles. Magazine Éco-Social, jeudi à Téchita sous affaire la santé. C'est une façon pour souhaiter nous bon la santé pour l'année 2024 qui pointe là. À bon gens la santé, il y a un monde qui arrive à dégager dans toute l'autre activité qui est nécessaire dans la vie. Recherche Pierre-Antoine Chérilet,
Présentation Marie Farah Fortuné, supervision Ronald Colbert, réalisation Jude Stanley Roy, production Groupe Média Alternatif, mois décembre 2023. Continuez à suivre Alter Radio sous 106.1 FM, sous www.alterradio.org et toutes les plateformes internet. Éco-social. Yon moun gade bay l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi hygiène nous dit que si nous n'en meilleur côté pour les vivre, c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. 106.1 FM, Alter Radio. L'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bosquets, l'eau m'évapore. L'odeur du soir fêté, mais là-bas, dans l'immense chantier, vers le soleil désespéré. Les charpentiers déjà s'agitent dans leur désert de mousse tranquille. Ils préparent l'air, l'ombre est précieux pour la richesse de la ville. Rira sous de faux cieux. Ces ouvriers charmants, sujets de roi de Babylone, Venus laisse un peu les amants, dont l'âme est en couronne. Night.
Côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan Kabzin ça et nous sommes un bail de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, on va prendre un pile bagaille, on va débrouiller tête nous et bien on va changer pays.